du coup, vous allez vous retrouver entre le biome. Vous allez vous retrouver donc entre le biome sapin et le biome. Hey les gens, et les Toxtronautes, c'est Emile. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur ma chaîne YouTube. En tout cas, ça fait hyper plaisir de faire cette petite vidéo en compagnie de vous les gens. Et aujourd'hui, on est sur son Minecraft PlayStation 4 pour vous montrer un petit seed qui pourra vous donner en début de partie un spawner avec plutôt pas mal de bon stuff. Alors pour avoir ce site, c'est très simple, il faudra marquer les minéraux que je vais vous afficher en bas normalement. Vous tapez ça et sur bien sûr la graine pour le générateur du monde, vous tapez juste ces petits chiffres et normalement dès que vous lancez votre partie, vous aurez le spawner à quelques mètres de vous. Alors je vais marquer les chiffres et on se retrouve juste après. Du coup voilà, là je suis en train de faire générer le monde. Alors juste je tenais à vous dire que cette graine marche pour toutes les consoles. Par contre je ne sais pas au niveau de la Xbox One ou au niveau Xbox, mais je sais que ça marche sur PS4, PS3 et Switch, et je pense bien sûr les autres. Du coup, pour commencer, vous allez spawner vers ici où normalement vous allez être dans un biome sapin. Derrière vous, normalement, il y aura une petite montagne comme vous le voyez là. Alors, dès que vous spawnez comme ça, vers tout droit, et ce que vous allez faire, c'est qu'en fait, moi je vais mettre en créatif. Ce que vous allez faire, c'est qu'en gros, vous allez aller vers ici. Là, normalement, je sais pas si vous allez voir un mouton comme moi, mais vous verrez, il y aura un petit marécage comme ça. Je vous montre un petit peu l'endroit. Si vous reconnaissez, n'hésitez pas à me le dire dans la vidéo. Je l'ai déjà utilisé cette map pour une autre vidéo. Et du coup, vous allez vous retrouver entre le biome. Vous allez vous retrouver donc entre le biome sapin et le biome marécage. Et vous allez creuser vers en gros ici. Et là, par exemple, on va se mettre là. Et là, vous creusez et hop. Vous avez votre petit spawner pour votre survie ou je ne sais pas. Et franchement, un petit spawner comme ça dès le début pour commencer une survie, je trouve franchement c'est plutôt pas mal. En plus dedans, ce qui est bien, c'est que vous avez deux pommes dorées et de la redstone, un petit peu de charbon et de fer et un seau d'eau, et même une armure de cheval en diamant. Et pour le deuxième coffre, vous avez encore une fois une pomme dorée et une armure de cheval. Et cette fois-ci, vous avez une étiquette nomative. Et bien sûr, c'est un petit spawner de zombies. Franchement, c'est plutôt pas mal. Du coup voilà les gens, j'espère en tout cas que franchement ce petit site que je vous ai montré vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires si ça a marché de votre côté. Nous on se dit à demain ou à la semaine prochaine pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, c'était Emile et ciao ciao. Allez bye les gens. Petit message de fin en vous disant que la FAQ spéciale 5000 abonnés arrive à grands pas. Alors du coup, let's go!